Là, le son, il dit quoi? Il est pas mal du tout. Ça, on s'en branle un petit peu. Salut les amis. Alors là, tu vois, j'étais dans mon studio. Petit drum kit là, avec du groove sur les quarts de contretemps, mon gars, tu sais même pas ce qui se passe. Putain, je raconte de la merde, tu vois, c'est facile, on va faire 40 essais, ça commence bien. À la base, ouais, j'étais là en train de faire ma musique et tout. Et je me dis, je me boirais bien une petite bière. Et à ce moment-là, ça sonne. Et qu'est-ce que c'est? Eh bah, c'est ma livraison de bière qui arrive. Je sais pas si on voit en vidéo là. Putain, mais c'est parfaitement dans le cadre. On voit juste le petit micro en dessous. Attends, je vais fixer ça. Bah attends, je vais te montrer même le setup. Donc, ouais, on va faire ça à l'arrache parce que voilà, j'ai la flemme. Fait que là, la caisse du Seigneur qui fait plaisir. Le petit micro là, avec sa fourrure des familles, là, on l'aime bien celle-là. Elle est très très fluffy. Pas beaucoup de luminosité, donc c'est un peu tout pourri pour faire de la vidéo. Donc là, je nous ai mis une grosse lampe de garage du sable. Un petit rideau de douche du Dollarama. Ça diffuse de la lumière, c'est parfait. Et du coup, je baisserai un petit peu le micro. C'est bien, tout le début de la vidéo, on aura la fourrure. Ah, c'est une très belle fourrure. Voilà, ce que je voulais faire, c'est une petite présentation des bières que j'ai achetées sur la boutique Cheers. Au début de toute cette histoire de coronavirus, ils se sont mis à livrer de la bière. Direct, j'ai sauté dessus. Hop, on a Tam Tam, une session IPA. Bière du dimanche, ça tombe pas bien parce qu'on est lundi. Qu'est-ce qu'il raconte? Pas grand-chose d'intéressant au final. Hein. Arôme fruité et supra tropicaux. Bon bah, ça fait plaisir, on s'en gardera pour un dimanche. Hein. White IPA, juteuse. Ouh, 6,5% par Ralbock. Je sais même pas à quel point je dois la mettre proche. Faudrait peut-être que je fasse un test, que je m'assure que je vous montre pas de la merde. Ouais, alors on voit carrément bien. J'étais pas sûr parce que l'autre jour j'ai fait des vidéos, le truc avait focusé sur ma gueule derrière, et forcément la bière était floue devant, donc tu vois rien, c'est un peu dommage. Cette IPA goûte littéralement les fruits magiques de l'espace. C'est complètement capoté, une dose massive de houblon mosaïque et Equanote. Alors tu vois, je connais un peu mes houblons, mais Equanote, je connais pas. Symbiose gustative offrant un savoureux bouquet tropical et agrumé, soyeuse et légèrement amère. Ça a l'air très très bon. C'est pas un hasard pourquoi je l'ai pris, hein. Par Benelux. Buzz, American IPA, déboussolé, naviguant sur les mers australes. Ils nous font vraiment rêver quand ils écrivent les descriptions de bière, j'adore ça. Liquide blond, aux arômes de fruits, psychotronique, innommable. Corps assoupli mais pas totalement assouvi. Secousse amère et résineuse façon old school. Houblon centennial, amarillo et galaxie. Mec, je devrais faire des lectures de bière au final. Hein, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Alors là, par Ralbock à nouveau, Bam Bam. Bam Bam est une bière trouble et houblonnée. Houblonnée en cochon, avec, bon, avec l'excellent houblon citra. J'aime bien quand ils houblonnent en cochon, comme ça, avec bière de gros porc un peu. Les arômes, gingembre. Et le gingembre, d'ailleurs, j'en parlais avec Damien, maître brasseur. On se disait, il faudrait faire une bière au gingembre. Et là, ils nous disent, les arômes de gingembre se marient à merveille au parfum fruité du houblon. Ça va être extrêmement intéressant qu'on en parle, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Duplex du Benelux à nouveau. C'est une Hells, ce n'est pas l'enfer au pluriel, mais si vous croyez y être, sortez de votre sous-sol et montez à l'étage supérieur. De là, vous y apercevrez peut-être le paradis par temps clair. C'est poétique. C'est magnifique, ils nous disent même pas ce que c'est. Bah si, c'est une health, mais voilà quoi. Alors tu vois, il me les a ramenées déjà fraîches, à température de boisson, mais peut-être que je devrais ramener un petit seau pour être sûr qu'elles soient bien fraîches quand je vais les consommer. Le seau frère qui s'appelle en fait Samuel. Pourquoi il s'appelle Samuel? Tout simplement, c'est en hommage au ventilateur d'Antoine Daniel. Si tu comprends pas, ne cherche même pas, ne te pose pas de questions. C'est pas une information extrêmement utile. Voilà, il est très beau avec ses petites rainures là comme ça. Moi, j'adore le style. J'aime bien lui accrocher un petit torchon comme ça. Tu vois, ça permet effectivement pas foutre de l'eau de partout. L'avantage des seaux, autant en parler. Hein, c'est un des moyens les plus efficaces de transférer de la température. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus non plus. Gosse de la microbrasserie 4 origines, 4,8%, donc assez légère. Et ils ont quand même mis de la purée de goyave, fruit déshydraté. Mangue ananas, ça m'excite pas mal. C'est pas un hasard pourquoi je l'ai pris. Hein. Jack Dunn session IPA, 4%, donc très légère, une petite bière de soif. Après le sport par exemple, tu vois courir, tu reviens, c'est chargé en céréales, ça fait du bien. Pour brasser de la bière, j'ai une idée de la quantité de céréales que tu fous là-dedans et on met salement de céréales, mon gars. On dit que c'est du pain liquide. Donc je perds mon fil. C'est que là, tu vois, je fais des vidéos comme ça, je suis pas vraiment habitué à parler à une caméra, un micro avec une énorme touffe de poils dessus. Là, j'essaye de te parler comme si t'étais mon pote ou ma pote. On est là, on est en train de se boire des bières, voilà, on vient de recevoir un carton, on discute un petit peu, hein. C'est surtout moi qui parle. Logistiquement, là, on peut difficilement faire mieux. Voilà, petit aparté fini. Donc, on a une session IPA de la souche microbrasserie. Arôme de fruits tropicaux, d'agrumes et de résine. Ça finit par santé en majuscule, point d'exclamation. Santé, la souche microbrasserie. Ralbock, artisan brasseur, à nouveau. Je commence à poncer pas mal les Ralbock. Donc là, on a une roue. Oh là là là. Milkshake IPA. J'ai un gros kiff sur les milkshake IPA en ce moment. C'est pas un hasard pourquoi je l'ai pris. Hein. Donc, j'ai sauté dessus direct. C'est cool, carrément besant. Et puis, c'est même trippant. C'est écœurant ce que j'entends. Capoté. Dérapé dans le Nil, c'est complètement débile. Par rapport, faites du vent, franchement, ce que je veux dire, c'est le fun au bout. Et puis c'est sharp alors, c'est watatato. Du coup, j'ai très très hâte de la boire. Alors, la petite, tu vois, c'est son IPA. Et qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut, mais en fait, une pinte, parce qu'on va pas non plus boire ça à la canne, tu sais, ce serait dommage. Je vais expliquer ça dans 2 secondes. Si jamais il y a besoin d'explication. Ça tombe bien, parce qu'en plus, je commence à avoir la gorge sèche.
Tu sais, ce qu'on se dit, ah ouais, est-ce que c'est mieux de boire ta bière à la canne ou à la bouteille? Les deux, c'est de la merde, je vais pas te mentir. Que ce soit sur une canne ou sur une bouteille, t'as pas l'ouverture nécessaire. Ton flaveur un petit peu au étuve, je sais plus, il y a un mot, effluve, aux effluves de venir directement dans tes narines, fait qu'il te faut absolument un verre. C'est là que t'arrives à avoir l'entièreté des arômes et du potentiel de la bière. Bière du dimanche au final, hein, qu'on va boire un lundi. Mais en fait, c'est un lundi de Pâques, c'est un lundi férié aujourd'hui, donc c'est un peu comme si c'était un dimanche. J'ai versé un peu comme un sale, c'est pas très grave, c'est l'occasion d'avoir plein de mousse dedans. Bah écoute, santé, hein, à la tienne. C'est très très bon, hein. C'est léger. Bonne mousse, tu vois, assez aérienne. Très, voilà quoi. Que dire de plus, les bulles sont fines, hein, on les voit bien remonter, ça veut dire que le verre est très propre aussi. Je l'ai lavé à la main, donc en même temps, faudrait pas déconner. Niveau goût, on sent bien le houblon, il y a un petit côté fruiteux un peu. Ouais, arôme fruité, supra-tropico. Bah écoute, ni plus ni moins, la bonne aventure, voilà, une ale ambrée. Agricola abricot, bière rustique et fruitée. Par qui d'ailleurs? Mon Régius, bière artisanale, avec une image assez curieuse. Hein. Je sais pas ce que c'est censé représenter. Joseph Ducreux, autoportrait Baillon, plus bonbonne irrévencieuse. Saveur unique sur une base de céréales, orge à 6 rangs, blé cru, épeautre et seigle. Toutes les surfaces que tu vois ici, elles vont être remplies de bière à la fin de cette vidéo, c'est un peu comme ça que ça se passe. Cherry bombe, saison noire aux cerises. Ils ont mis du sarrasin et du seigle, c'est hyper intéressant ça. Une tonne de cerises et ils se foutent pas de ta gueule là. J'en dénote une finale légèrement noisette, qui s'agence à merveille au côté poivré de la levure saison. Goût et arôme évolutif, possède un potentiel de garde. On va essayer de la garder, on verra un peu son potentiel. La Wayagamak, une kolsch, bière blonde d'inspiration allemande, effectivement. C'est la définition d'une kolsch, merci beaucoup. Un arôme de conifère, d'abricot et de pamplemousse. L'eau utilisée dans la fabrication provient du lac Wayagamak. L'expression Wayagamak signifie au lac rond. Si le lac est rond, j'imagine que moi aussi. Parlant de ça, on aura peut-être... Des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose pour se faire plaisir. Stout déjeuner, la bière que tu bois le matin, en fait, avec ton café ou à la place de ton café. Chasseur de café d'exception. On a un café assez stylé par Julius. Je ne sais pas qui est Julius. Cacao, voilà, c'est ça. Oh, lactose et vanille. Ça va être du très très lourd, ça. J'ai hâte de boire ça. Fleur de feu, triple à la tisane de chichoutais. À 9,1%, j'avais pas vu ça. Brassé et raconté par Saint Pancras. Non seulement brassé et raconté, donc attends, raconté, parce que là, on va avoir quelque chose d'intéressant. On raconte qu'à Rivière au Tonnerre, lorsqu'on sème une allumette, une chicoutée pousse. Bon, bah le racontage était bref. Hein. Mais le racontage est bref, mais très efficace. Petit fruit jaune, abricot, apaisante, sucre chaleureux. Faudrait que je me renseigne d'ailleurs, c'est quoi le chicoutée? Dites-moi dans les commentaires ce que c'est. Puis tant que vous y êtes, d'ailleurs, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, tout le tralala. Triple à la tisane, effectivement, c'est de là les 9,1%. Tout fait du sens maintenant. Si je le remets sur la musique après ça, l'inspiration musicale va être extrêmement fruitée. Noir et blanche microbrasserie. Lichitine, blanche belge, thé blanc, litchi et gingembre. Et la petite vite, nano IPA, ralbock, voilà. Simple, efficace, c'est ça qu'on aime. Une petite vite, c'est toujours le fun, bien sûr. Surtout quand c'est goûteux et houblonné comme notre nano IPA, j'adore leur description. Oh, 2,5%, elle est extra légère, c'est marqué extra légère sur la canne. Cette bière est extra légère. Bah écoute, ni plus ni moins, voilà, 500 ml, une bonne pinte. Belle embouteillage, c'est ça, d'avoir des petites bouteilles comme ça et tout, ça fait quand même plaisir. D'ailleurs, si t'as suivi la vidéo jusque là, c'est que ça t'intéresse un minimum le sujet, donc dites-moi dans les commentaires, parmi ces bières là, lesquelles vous voulez que je déguste en vidéo. Et essayez de mettre les commentaires avant que je les boive, et voilà, c'est tout. Soleil, bière sûre de fermentation basse à la clémentine. C'est pour ça que je l'ai acheté, toi, j'ai vu clémentine, c'est très rare. Les bières à la clémentine, j'adore ça. Tu vois, à chaque fois que je pose une bière, je prends une petite gorgée. On est lundi, tu vois, mais c'est lundi férié, fait qu'on va quand même se faire plaisir. Alors, par la Gavière, j'adore cette brasserie. Si je dis pas de conneries, je crois que ça va en Chambly. Ça demande à vérifier, tu vois, la notion géographique du terrain n'est pas extrêmement présente. Et du coup, la Gavière font en fait cette série. Tous les mois, ils brassent une bière différente. Ça s'appelle la balade en radeau. Donc là, en fait, on se balade en radeau avec la Gavière. C'est la balade en radeau d'avril, donc la balade en radeau du mois présent. C'est une New England Farmhouse. Nocturna Shiraz, start avec du mou de vin. Mont-Régius à nouveau. Vineux complexe boisé, maturation sur chêne torréfiée pour obtenir de belles nuances boisées. On a bientôt fait le tour. On a encore du Mont-Régius. Nocturna Affogato, dessert généreux, riche, 10% aussi, donc ils font quand même dans le fort, Mont-Régius. Nocturna Affogato est un stout. Un stout, j'ai toujours dit une stout. Peut-être qu'on dit un stout. Dites-moi dans les commentaires si on dit un stout ou une stout. Quand vous le dites, vous? Moi je dis une stout. Et du coup, un stout impérial inspiré par un délicieux dessert italien, cacao, lactose, vanille. Et café brésilien, précis, s'allie pour créer une expérience des plus savoureuses. Très très bien. Mais c'est quoi les desserts italiens? Affogato, j'imagine. On va partir sur ce principe-là. Saison, voici. Périphérie. Par Brouhaha, qui est une brasserie, qui est juste à côté de chez moi. Si je me mélange pas les pinceaux, la notion géographique du terrain. Saison au poivre de Madagascar. Voilà.
saison poivrée. Broa, très bonne brasserie, tu vois, elle mange pas de pain, c'est une brasserie, on en parle pas beaucoup, voilà. Et tu sais, genre, Est Papineau, personne va là-bas, pourtant c'est une très très bonne brasserie, et ça fait plaisir, voilà. Mascarade, bière forte, 6%, c'est pas si fort que ça, mon gars. Benelux, hein. Ils ont d'ailleurs plusieurs bars, et celui sur lequel je vais le plus, c'est sur plus ou moins Saint-Denis, Sainte-Catherine, tu vois, je te laisse ajuster un petit peu la notion géographique du terrain. En général, je me promène avec mon vélo, je sens la bière, et une terrasse, c'est Benelux. Fait que du coup, je suis. Oh, la bière te parle au final, je me mets en mode bière là d'un seul coup, là je suis la bière. Je suis une bière géographe de trois petites lettres qui a souvent traversé les frontières au gré du temps. On croit me connaître comme si on avait autant voyagé que moi. Je change de visage au gré des tendances, mais suis-je un imposteur? Ou l'imposteur n'est-il pas celui qui boit et celui qui prétend connaître? Du coup, j'ai très très hâte de la boire. Allez, la dernière du lot, et la petite gorgée au passage. Une cream ale traditionnelle café. Donc, cream ale, ouais, c'est des bières en bouche, ça a une petite texture savoureuse. 5.3, voilà, assez légère. Pareil, le même genre de bière, à mon avis, que tu bois un peu le matin avec ton café. Ou alors en dessert, éventuellement, un petit café pour le dessert, ça fait toujours plaisir. Hey! On a fait le tour, mon gars, putain, c'est efficace. Bah, c'est pas hyper efficace parce que du coup, là, 36 minutes plus les vidéos d'avant, on doit être à une heure de tournage. Donc, moi, je vais bien faire chier au montage derrière. Ce serait quand même dommage de s'arrêter là. En plus, toi, j'ai le petit cajon là. Et le petit cajon, il fait grave plaisir. J'ai des colocs, on va pas trop en faire. Et du coup, ça fait une table aussi. Watatato, milkshake IPA. Allez, santé, hein. Écoute, texture en bouche, tu vois. Et ils disent milkshake, voilà. Milkshake, il est présent. Tu sais, légèrement, tu vois, ça reste une bière. C'est quand même ça qu'on veut, tu vois. J'ai acheté une bière, j'ai envie d'avoir une bière. La petite mousse, c'est légère. Les bulles, bon, un peu timide, c'est les bulles. Elle est quand même relativement trouble aussi, hein. Check ça. C'est-tu de l'IPA? Milkshake IPA, effectivement, bah voilà. Ça se voit à la couleur et à cette troublitude. Tu le vois comme ça quand t'as un œil aguerri. T'as un petit côté légèrement jus, un peu tropicana. Mais subtil, tu prends le jus, tu le mets là-dedans, mais tu le mets à 15-20% d'opacité, pas plus que ça. Mais c'est principalement, tu sais, le côté bière, c'est quand même ça qu'on veut, tu vois, j'ai acheté une bière, j'ai envie d'avoir une bière, j'ai pas envie de boire du jus. Et le côté milkshake, bien sûr, qui tapisse le palais comme on aime. C'est vrai qu'ils disent pas grand-chose, tu sais, je fais le mec, des fois, c'est un peu boisé, oh, y a un goût de mangue et puis de fruits de la passion, et puis genre, en vrai, c'était marqué sur la canne. Je le fous un peu de votre gueule, des fois, mais vous aimez quand même les vidéos, donc c'est cool. Alors là, tu vois, par exemple, une description comme ça, je suis seul face à la bière, et là, je goûte. Alors, je galère ma race, j'essaye de trouver des goûts et tout, en vrai je sais pas du tout faire, tu vois. Attends, elle me parle, la bière, tu vois, tu te rappelles de la bière qui m'a parlé tout à l'heure? Celle-là, elle commence à me parler aussi un petit peu, c'est pas un bon signe ça. Eh, si tu la gardes suffisamment longtemps en bouche, il y a un petit côté vanille qui revient, très subtil, elle a un petit temps de latence. Là, la vanille apparaît, elle est pas instantanée, elle est à retardement, hop. Et là, c'est un plaisir en fait, quand ça commence à fleurir dans ta bouche comme ça, là tu kiffes. Bon, sur ça, je pense qu'on va s'arrêter. Si t'as regardé jusque-là, ben bravo, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Likez, commentez, abonnez-vous, c'est pas mal tout. Allez, à la prochaine!